prenant la parole en présence des fidèles musulmans massivement mobilisés à la place de la Grande Prière de Bouloko pour la célébration de la fête de Tabaski 2019, le gouverneur de la région administrative de la baie a reconnu que les fondateurs de cette cité ont joué un rôle capital dans la consolidation de l'unité nationale et la paix à République de Guinée. À mon frère Selou Dalin, je lui souhaite la santé, la persévérance et la patience. Le Fouta, pour nous, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, le Fouta est un gros arbre avec plusieurs branches. C'est sous l'ombre de ces branches que nous, Guinéens, de l'est à l'ouest, du sud au nord, nous nous reposons. Le Fouta est bâti sur un socle solide. Ce socle, c'est un socle de paix, c'est un socle d'unité, nous le savons. Ceux qui ont fondé cette ville de l'Abbé, ils ont uni tout le peuple de Guinée autour de cette ville. Parlant de la participation du chef de file de l'opposition guinéenne à cette importante cérémonie, à côté des populations de la baie, Elaz Madifine Diané a invité Elaz Mamadou Sellou Dalein Diallo à être confiant avant de lui souhaiter tout le bonheur dans sa ville natale. Je terminerai mes propos pour souhaiter au président Sellou Dalein un très bon séjour à la baie au nom de l'ensemble des populations de la région administrative de la baie. Mali, Tougué, Koubia, Lelouma et la baie-ville. Au nom de toutes ces populations, nous exprimons notre joie d'être ici avec lui à cet instant et nous lui demandons d'être confiant car il est de cette ville. L'honneur de cette ville, c'est son honneur. La prospérité de cette ville, c'est sa prospérité. On ne lui souhaite que du bonheur dans sa ville natale de l'Abbé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette communication du gouverneur de région rassure les responsables, militants et sympathisants de l'UFDG à l'Abbé.